et que la police m'a mal mené. Alors, information, ma bonne information, que Thierry. Oui. Et, la police mal mené, ligoté, a dit Marie, sénateur, et parce que il était dans une opération pour dépister un cas de kidnapping. Moi-même, rapidement, j'ai une information du Thierry, m'a dit est-ce que le confidèle dit oui. J'ai appelé Gary Pierre-Paul Charles pour me demander, Gary, est-ce que l'authentique, c'est vrai, ça qu'a joué Gary, moi, obligé de virer le sénateur Augustin. Il aime parler avec le sénateur Augustin. Il dit, oui, hier, il manquait perdu la ville. T'as changé. Et que la police était machine nous. Mais lui, ouais, au braqué en pile sous lui. Les descendent vite là pour lui identifier comme sénateur de la République. La police m'a dit de descendre machine. Et lui dit ce qu'il fait. Ça, c'est information, sénateur Abbaou. Officiellement de sénateur Kepler Auguste. Ok, avancez. Lui dit, il va descendre machine avec lui. Forcé le coucher à terre, il mettait un pied sur tête lui. Après, il retirait le pied sur tête lui, il mettait le pied sur l'estomac lui. Il identifiait que, il dit encore, monsieur, c'est sénateur qui est fait Augustin. Policiers ont décidé, il a fouillé machine non, et qu'il a arrêté le. Il dit que, policiers sont les patients menottes avec eux, ils allons quoi de Yomaril. C'est grave, c'est la terre, c'est grave. Yomaril a des menottes. Et que ils conduisent au commissariat de Delma. Mais vous pendant la machine, ils ont exigé pour les têtes baissées. Bon, ça c'est pratique la police. 87. Mais excusez moi qui ont arrêté. Il dit de parler avec monsieur, dit monsieur, pour j'aime qu'on me défendre, la police, pour être traitement ça, qui n'a pas moins. Il dit que il y a un monde qui va, il y a un monsieur qui va le coup de poing dans la figure. T'as changé. Il est arrivé, et là, il vient comprendre qu'il s'agissait de cas de kidnapping et qu'il a kidnappé. Il dit, il est obligé de tuer au silence, et pendant qu'il a fait si curiosité, pour le garder, qui peut ouvrir la veille. Et c'est là, le policier m'a dit pour le descendre, le commissariat, qui est là, dans le compte, qu'il n'a pas été kidnappé, c'est la police vraiment qui a arrêté, et que le commissariat, il a dit, et qu'il paraît que c'est le sénateur Kidler, il a frappé en pile pour ouvrir l'hôpital. Ce que le responsable dit, et il n'y a pas même qui a arrêté, c'est le chef qui a arrêté, et qu'il a fait dossier après la dernière pour lui faire suivi. Mais c'est la veille, c'est la veille. Avant, avant, c'est la veille. Vous avez fait une petite conversion. Il dit, nous, que lui a demandé un téléphone pour lui mettre quelque chose. Okay. Il n'y a pas d'aller. Il m'a demandé un téléphone prêté pour lui dire que le général Nobil Rabou. Il n'y a pas d'aller. Et puis, par la suite, responsable commissariat, après Alderson, pour le vintre, monter avec lui dans le bureau, et comme le responsable commissariat a dit que lui regrette cette passion. Maintenant, moi-même, nous essayons d'entrer en contact avec le commissariat et nous parler avec le commissaire Gospel Monilus qui est responsable commissariat. Version parle, il dit il y a un Prado qui impliqué dans 9 cas de kidnapping à Delma. Il y a une couleur Pradoa qui c'est même couleur, même spécificité avec pas sénateur Augustin. Que la machine, le Prado Sayodil, c'est un Galil. Effectivement, il y a un Galil là, dans la machine, non? Prado Sayodil sans plaque. Et par sénateur Kidler là, lui sans plaque. C'est ça qui permet la police de stopper la machine Kidler là pour arrêter Mounio. Pour eux-mêmes,
pour cette grosse belle monnaie russe qui parle avec moi comme commissaire de la commissaire de Boudelma, de la police d'Elma, il dit que le sénateur n'a pas jamais identifié dans la rue. Le sénateur, c'est l'élu de commissariat, il dit son sénateur de la République. 90 bronzes. Et puis, c'est le sénateur, pas de signe droit pour Dium. Si c'est la nuit, le sénateur a quand même perdu, il a perdu la ville. L'homme dit, est-ce que vous dites que vous frappez le sénateur? Il dit, monsieur le policier, vous dites non, vous ne pouvez pas frapper le sénateur. Sauf, dans le moment où vous avez le sénateur, qui a arrêté, ça va arrêter. Ça veut dire ce que cela veut dire. Maintenant, le sénateur qui est dehors, dis-nous, après, ça veut dire qu'il est obligé à le prendre, ils sont à l'hôpital, parce qu'il frappe dans l'estomac, il frappe dans le corps. Maintenant, le sénateur qui est déjà au courant des questions, dont le sénateur Sildon et le sénateur Fritière, il regrette que monsieur Kemp information et que jusqu'à ce matin, que ce qu'on fait a dit ça passé. Maintenant, moi, parler avec un sénateur qui était un peu très banal, dans la mesure où il semble au monde qui frappait psychologiquement et physiquement par ça passé. Donc, information de ça que dit. Et matin, nous allons dire qu'on rencontre à 10h, 9h30, 10h. Pour moins nous capables mieux appréhender les questions. Mais sénateur, comme vous avez plusieurs mandats comme président de la commission de justice et sécurité publique dans le Sénat de la République, là, vous êtes avocat, qui ça la justice a fait dans le dossier ça? Pendant que vous avez toujours en pensée. Que nous le veuillez ou non, ça m'a dit une enquête. J'ai mandé une enquête qui est à la fois judiciaire et policière et parlementaire. Enquête judiciaire, parce que Negio dit a cherché une machine qui est impliquée dans le kidnapping, et il faut qu'on a regardé quel est le bien fondé de cette information judiciairement. Maintenant, puisque impliqué un sénateur qui frappe, qui prend coup et qui dit qu'il est identifié, malgré ça, il est malmené. Enquête parlementaire là a essayé remonter à principale velléité politique ou du moins objectif politique qui est derrière dossier ça. Elle est trop tôt pour nous tirer quelle que soit la conclusion qu'il n'a qu'à tirer. Moi pense maintenant il revient au sénateur Yoshita et qu'on ait quel type de réponse qu'il y a pas acquis sur ça, action que vous vivez, recevoir. Bon, sénateur, sauf que, si vous trouvez Zaman de machine, non, si vous avez cherché, vous trouvez, et pour Adouga, c'est même couleur, et même, et pas de plaque, pas de plaque. Vous voyez, c'est pas de plaque, hein? Moi, je pense, les troupes, pour nous tirer des conclusions, qu'on lit là, puisque nous avons seulement deux versions des faits, le commissaire de police de Delma et le sénateur Kedler Augustin, maintenant, nous avons dit pour nous regarder les dessous de l'information, pour nous connaître qui ça lié, pour qui ça ces machines, ça qui est indexé, pour qui raison. Parce que le commissaire de police a dit nous, si c'est la journée que il était pour ça, la nuit, il était qu'à l'autre façon. Exact. La nuit, il était qu'à l'autre façon. Même pensé qu'il est trop tôt pour nous tirer quelque soit conclusion. Conclusion que tu as avec abus ou excès de pouvoir de la police, ou du moins si le sénateur était en position de foot, etc. Il est trop tôt pour nous dire ça. Sauf, mais les faits sont ceux qui sont. Le sénateur, effectivement, a été impliqué dans une altercation avec la police hier. C'est même des altercations pas jouées, mais la police s'est dit à poursuivre, machine vient à l'aide sous lui, et ça s'est conduit avec un incident que jusqu'à présent, nous sommes capables de considérer comme un incident malheureux. Mais sénateur, on va aller. Donc, pour parler de. Nous pouvons confirmer, il faut que tu aies une enquête qui mène. Vous entendez? Oui. Mais, Kounia, est-ce que la police t'a supposé frapper
à ce niveau un sénateur en fonction sans qu'il beaucoup gagner assez de preuves et même qu'il t'a gâché des preuves depuis quand on était capable de maîtriser parce qu'on ne savait bien passer. Est-ce qu'il suppose à frapper tout dans le visage? Quel que soit le monde que la police arrête et que la police fait usage de la force proportionnelle par rapport à la force que vous avez dégagée. C'est ça la loi, c'est ça le principe déontologique et l'éthique police là, l'IPAI. Quel que soit mon nom, qui dit pas arrivé le sénateur. Ah, mais c'est bien qu'on prenne le sénateur et M. Daferret, parce que vous parlez de proportionnel, et M. Gilles Daferret, mais on donne. Mais où est-ce que vous et non, vous pour le visage, selon ça, le sénateur a dit. Moi, sénateur Auguste, qui me parle avec lui, dit qu'il a été de toute sagesse. Il a parlé avec le policier, il dit c'est sénateur Augustin que lié. Il a fait le descendre, il a fait le coucher, il a mis le pied sur la tête, il continue à identifier. Ok. On dit qu'on est sénateur Augustin, on est. Les païens qui viennent voir où même à REM. Ok. Et dans le sens, même mon petit bagage, il m'a parlé un peu fort. Et j'ai entendu que c'était pas fait ça facile. Vous voyez? Donc, on veut aller bénéficier ça. Maintenant, là, il était seulement pour nous voir qui s'appelle la vie. Parce que pour moi, c'est un sénateur de la République. Et j'ai entendu que pas toujours des positions qui fait tout pour plaisir. Qui est en opposition ou qui est en pouvoir. C'est quelqu'un qui est toujours dit à le penser. Merci, oui, sénateur. Merci pour la confirmation que le sénateur d'Augustin a. Faut enquête parlementaire là a essayé de remonter à la principale velléité politique, ou du moins objectif politique, qui est derrière le dossier. Elle est trop tôt. Pour nous tirer quelque soit la conclusion qu'il n'a qu'à tirer, vous pensez maintenant, il revient au sénateur, Yoshita, et qu'on ait quel type de réponse qu'il y a pas à question ça, que vous vivez recevoir. Bon, sénateur, sauf que si vous trouvez ça, man de machine, si vous avez tapé chercher, vous trouvez. Et pour Adouga, c'est même couleur, et même pas de plaque, pas de plaque. Vous savez qui est flagrant? Moi, je pense que c'est trop tôt pour nous tirer des conclusions qu'on lit là, puisque nous avons seulement deux versions des faits. Le commissaire de police de Delma. Et le sénateur Kedler Augustin, maintenant, va demander pour nous regarder les dessous de l'information, pour nous connaître qui ça lié, pour qui ça ces machines, ça qui est indexé, pour qui raison. Parce que, j'ai un commissaire de police a dit nous, si c'est la journée que il était comme ça, la nuit, il était qu'à l'autre façon. Exact. La nuit, il était qu'à l'autre façon. Même penser qu'il est trop tôt. Pour nous tirer quelque soit conclusion que tu as abus ou excès de pouvoir de la police, ou du moins si le sénateur était en position de faute, etc. Il est trop tôt pour nous dire ça, sauf mais les faits sont ceux qui sont. Le sénateur, effectivement, a été impliqué dans une altercation avec la police hier. C'est même des altercations pas jouées. Mais la police te dit à poursuivre, machine vient à l'aide sous lui, et ça se conduit avec un incident que jusqu'à présent, nous sommes capables de considérer comme un incident malheureux. Mais sénateur, on va aller. Donc, pour parler de. Nous, pour confirmer, il faut que tu aies une enquête qui mène. Vous entendez? Oui. Mais, Kounia, est-ce que la police t'a supposé frapper à ce niveau un sénateur en fonction sans que beaucoup gagne assez de preuves? Et même qu'il t'a gâché des preuves, depuis le temps, t'es capable de...